Hello, c'est le matin. On est lundi matin de la deuxième semaine. Hier, j'ai pas trop parlé et le vlog, à mon avis, sera pas des plus intéressants. Donc, on a pris l'avion, on est arrivé à Krabi. Krabi qui se trouve dans le sud. En fait, on est dans un endroit un peu paumé parce que, de ce qu'on a compris, il y a Krabi Town qui est un peu délaissé par les touristes et tout ça, et un peu délaissé tout court. Et il y a Krabi plus plage où du coup il y a beaucoup plus de monde et c'est la fête et voilà. Du coup, nous, notre hôtel il se trouve dans Krabi Town et il coûtait déjà cher par rapport. Enfin, comme dit ma mère, c'est le moins cher des plus chers. À Krabi, ça coûte assez cher et dans le sud en général, ça va être plus cher que dans le nord de la Thaïlande. Du coup, hier soir, on n'arrivait que vers 21h30 à l'hôtel. Enfin, le temps qu'on monte dans la chambre, il était 21h30, quoi. Et après, il fallait qu'on aille manger. Donc, on est sorti, on a été à marcher, mais il était déjà fermé. Donc, on a continué à marcher, et genre, tout était fermé, c'était très noir et tout ça. Pas du tout attractif. Ouais, pas du tout attirant. Salut, Charlène. Et au final, on a trouvé un mec dans la rue qui faisait des pâtes, des soupes de pâtes. Genre, c'était le seul truc qu'il faisait. Et on a mangé. Attends, c'est un vlog. Et on a mangé là-bas. C'était très bon. Et c'était pas cher. Et voilà. Mais non, pas du tout. Maïva est bête. Maïva. Leslie. Non, c'était pas ça. Leslie. T'es le moment. Non, pas Maïva, Leslie. Leslie. C'est des petits crabes qui vont dans les petits trous comme ça. Ils font des petites billes, ils les ressortent et tout. Et en fait, ils ont fait ça partout ici, c'est ouf. Et quand on marche, on voit les petits crabes qui rentrent dans leurs trous. On a droit à un coucher de soleil de ouf. Mais là, en photo, c'est tellement pas pareil que en vrai. So, voilà. Du coup, on n'a pas fait de snorkeling aujourd'hui, on a passé la journée ici à la plage et on est trop bien. On fera sûrement du snorkeling quand on sera à Koh Lanta. Là, on n'a pas eu l'occasion. Enfin, en gros, on est arrivé un peu tard pour partir en snorkeling et puis on avait trouvé un bateau, mais il pouvait prendre que 4 personnes. Donc, nous, on était 5. Donc, voilà. Au final, on est resté ici et on assiste à ce coucher de soleil de ouf et la plage est trop belle. On a acheté des masques et tuba et un truc pour que le téléphone aille sous l'eau. Comme ça, on pourra faire des petits vlogs. Mais quand on est retourné dans l'eau cet après-midi, en fait, je pense qu'il y avait trop de vagues. Du coup, la mer était toute marron. Alors que ce matin, pas du tout. Ce matin, on voyait très bien à travers et tout. Donc, on était un peu deg parce qu'on n'a pas encore pu voir des petits poissons. Mais ça ne saurait tarder. Demain, on part pour Koh Lanta vers midi. Je sais pas si on fera des trucs avant de partir ou pas. Sûrement se balader un peu dans le coin de l'hôtel. Et voilà! We'll be right back.
cafard qui vient de tomber de notre mine.